Bonjour à toutes et à tous, ici Nozmake pour une nouvelle partie d'Isaac Afterbirth. La dernière fois, on a essayé le marchand, le délicieux marchand dans une partie normale. Ça n'a pas marché. On va l'essayer en avarice maintenant. L'incarnation de l'avarice en mode avarice. Voyons ce que ça donne. Ça commence très bien avec de la cadence de tir. Déchiré, la cadence de tir, ça y rend un peu plus potable, même si c'est pas encore tout à fait ça, soyons honnêtes, mais c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce mode de jeu? À quoi peut-on s'attendre? C'est vraiment de la merde tout ça, dites-moi. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Les pièces qui seront droppées à chaque début de phase, il faut plutôt les laisser. Au cas où on perde de la santé, histoire de pouvoir se recharger la dite santé en cas de dégâts. C'est ça la stratégie de base, ce qui fait que jusqu'au dernier étage, la partie devrait être à peu près, je dis bien à peu près globalement faisable. Pas si dangereuse que ça, vu qu'on a quand même beaucoup de potentiel santé ici. Par contre, contre le boss de fin, ultra avarice, pardon, il va falloir être prêt, vu que contre lui, ramasser des pièces en cours de combat, c'est quand même peu probable, soyons honnêtes. Mais en théorie, si je réussis avec le keeper, là, avec le marchand, le mode avarice, je n'aurai donc plus aucune raison de refaire ce mode de jeu. Puisque je l'aurais fait avec tout le monde. Oh merde. Pièce. Meurs, méchant caca. Encore une vague. Voilà, c'est la dernière. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est ça le truc, faut rester à proximité des pièces histoire de pouvoir se recharger au cas où on soit tapé. Par contre, pour préparer le combat contre Ultra Avarice, va falloir des orbitaux pour la défense, va falloir... je sais pas... Je vais pas ramasser toutes les pièces, hein. Je vais en laisser quelques-unes pour les combats de boss après. Pour l'instant, je vais prendre une clé au rabais. Et on va voir ce que ça donne. Oh, il y a un caillou. Le Lotus Noir. Sympa. Totalement inutile avec le marchand. Le lotus noir vous donne un cœur rouge, un cœur gris, un cœur noir. Ça ne sert à rien du tout avec le marchand. Je peux avoir une autre clé au rabais tout de suite, donc c'est très bien. Et puis je crois qu'on va reroll autrement. Bon, pas de salle secrète dans le coin ici. L'épingle, probabilité de tir perçant et ou spectro, c'est quand même intéressant. On va donc reroll. Bougie noire, pas de malédiction, bof, mouais, bof. Une araignée, ça va, c'est pas trop méchant. Une autre, bien entendu. Voilà. Je crois qu'on va reroll une deuxième fois. Baby batterie, ce serait intéressant pour plus tard. On dira baby batterie si on peut se le payer. Allez, courage. Et polycéphalus, voilà qui est fort regrettable. Hop là, c'était juste. Par contre, les petits vers, eux, ils vont vraiment être chiants. Doucement. Le petit ver est mort. Il en a spawné un autre, bien entendu. Oh merde. Oh merde. Ok, restart. Je me suis fait avoir.
Traitement expérimental, c'est de loin le meilleur des deux. Oh fuck. Et à 5 heures de... Deuxième vie en tant que Judas. Non, c'est contre l'intérêt du jeu. La carte blanche est très intéressante. Je suppose... Sans déconner, quoi. Oh, j'ai ramassé toutes les pièces. Pour ce que ça change, j'ai qu'un seul cœur. Voilà. Allez, restart. Non, parce que là... Ah, c'était beau, ça. C'était... Mouche bleue, ça va. Mouche bleue. Vitesse plus, taille moins, et une pilule. Hausse de chance, c'est bien ça. Histoire de combler un peu notre malchance native. Rien de bien passionnant. Rien de bien passionnant. Hein. Autant reroll tout de suite. La bougie rouge est intéressante. Bon. Et bien c'est parti. Hop là. Il a fallu que mes mouches bleues se suicident sur ces saletés. Sans intérêt. Regrettable. C'est bon. Elle a survécu. Oh non, ils sont vers les pièces. Oh, tricheur. Tricheur, ma santé. Rendez-moi accès à ma santé. Voleur. Voleur de fric. Voleur de santé. Mais. Viande. Viande. C'est bon. C'est bon. Ma santé. Mon fric. C'est moi. C'est moi. Hein? Mais... Ça va être plus dur que prévu. Ceinture, plus vite. Et va plus vite. Oh oui, je le veux. Je le veux, ce trinket. Il me faut 5 pièces. En se débrouillant bien avec ce trinket, on est immortel. En se débrouillant bien. J'ai bien dit ça, en se débrouillant bien. Ok. Ok, donc il me faut 5 pièces. Donnez-moi 5 pièces. 5 pièces. 5 pièces. Il me faut 5 pièces. Pas une de moins. Il me faut 5 pièces. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Meurs. 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 Mourir. 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 Non, vous mourir, pas moi. Vous mourir. Vous mourir. Vous. 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 Voilà, ça c'est bien. Ça c'est une bonne position. Ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Méchante. Méchant traînier. Méchant traînier. Méchant cocon. Méchant. Yé. Traînier. Yé. Yé. Méchant caca. Méchant caca. Non. Non. Deux grosses frayeurs. Autre grosse frayeur en vue. Ah que j'ai peur. Ah que j'ai peur. Ça va mieux. Non, 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 non. Oui. Méchant traînier. Méchant traînier. Méchant traînier. À votre prix. Voilà. Et petit caca. Petit traînier. Et petit caca. Ah. À moi. Pièce avalée, glups. C'est bien ça.
C'est bien ça, c'est bien. Si je me fais taper, je drop une pièce. Donc je peux me soigner. Ouais. Un orbital serait également très intéressant. On va tuer les marchands. Ça fait du fric, c'est bien le fric. Je pourrais acheter l'orbital maintenant. Ce que je vais faire... Ce que je vais faire, oui, cube de viande. Bon, alors certes, j'ai plus beaucoup de pièces pour me soigner. Oh, ça devrait bien se passer, ces monstros. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Le truc, c'est que l'autre boss va pas tarder. Et lui, avec lui, ça ira moins. Ça ira déjà moins. Tout dépend du boss en question. Tout dépend du boss en question. Puis on a notre trinket, on n'est pas tranquille, mais on est déjà mieux là. On est un peu moins famine. Quel mauvais choix stratégique. Très mauvais choix. Peu importe lequel des deux morts au premier, ce sera une très bonne chose. Va-t'en. Dégage la mouche. Monstre en moins, génial. Allez, on ne stresse pas, on ne stresse pas de façon excessive. On ne stresse pas de façon excessive et ça pourrait très bien se passer. Arrête de spawner plein de mouches, c'est bon. Allez. Un coup toi, un coup moi. Mais chacun son tour. Yes. Maintenant j'achète une clé histoire quand même de récupérer l'item ici. Explosivo, tir collant explosif. Ça peut être douloureux. Ça peut être très douloureux. Allez, ça se tente. Du dingle et du caca. Bon. Et du spawner de mouche, ça c'est plus gênant. Oups là. Génial, ça se colle. Ça se colle. Il y a des choses qui se collent. Il y a des choses qui collent. Dégage. Non, meurs avant. Meurs avant. M'explose pas la gueule. C'est bien. Ce serait vraiment cool que j'arrive à tuer les anus. Ou quel que soit leur nom. Les kystes, je crois que ce sont des kystes. Bon, des petits caca, ça va, ça va, ça va. Allez Dingle, on y est presque Dingle. On a bientôt réussi Dingle. Dingle, dégage. Yes. Alors, dans le principe, je vais juste voir... Ok, confirmation, je ne prends aucun des deux. Non, avec le Keeper, il vaut très clairement mieux viser les salles d'ange. Hein. C'est évident, je ne peux rien acheter. Ce n'est pas bien grave. Étage suivant, dès qu'on se sera débarrassé de... Voilà. De ces saletés. Bon. Ouh. C'est la première fois qu'on passe le premier niveau. Ouais. Cadence de tir, vitesse des tirs. Bien. La cadence de tir, c'est très appréciable.
vous en faudrait plus, toujours plus. Un coffre rouge, va te faire foutre. Surtout entouré de pointes, c'est surtout ça le problème. Oh, une clé au rabais, super. Toi, t'es intéressant. Bon. Zodiac. Les cieux vous changeront. À chaque étage, je crois qu'on se prend un signe du zodiaque différent. Là, en l'occurrence, la traînée de larmes. Derrière soi, je crois que c'est le Verseau. Chaque étage, un signe du zodiaque. Je crois que c'est à chaque étage. Il me semble. C'est intéressant. Très intéressant. Hop là. T'es collé. Oh, on s'écarte. Hop là, on s'écarte. Faut juste faire gaffe avec Explosivo de pas rester à côté des ennemis. Hop. Faut que je fasse gaffe avec ces verres-là à chaque fois que je me fais avoir. Ok. Ok, toi t'es collé. Toi aussi, très bien. Collé. Oh, trinket champi. Non, je garde le trinket pognon. C'est mieux pour survivre. Il reste encore toi. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Voilà. Et nettoyé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit acheter une bombe pour 5 pièces. Et avec la bombe, on tue les gens. Et on pleure. Bon, tant pis. Petit déj, il sert à rien. Ce dé là, le D10. Je crois que c'est le D10, oui. Il reroll D10. Je crois qu'il reroll les ennemis. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, à mon avis. La carte rouge, il y a peu de chances qu'elle soit efficace. Très peu. Mais si c'est une carte qui double le pognon, ça devient intéressant. C'est le 2 de cœur. Fous-toi de moi. Je crois que ça peut peut-être marcher, hein, si je perds un point. Allez, boss. Oh god. J'ai eu peur. Oh non, Gurdy Junior, dégage. Dig black, pièce. Ouais, ah, explosivo. Oh, on tente pour une, j'espère fortement, une salle d'ange. Merde, faut que je fasse gaffe à leurs traces de sang. Enfin, à ses traces de sang, vu qu'il est tout seul. Ah, il s'est bien pris mes traînées de larmes. Ah, comme ta salle de Satan. Deux runes. Ewaze et pureté. Ça sert à rien, pureté. Ça me donne des mûches. Et le passage. Niveau suivant. Il y a une probabilité que ce soit une trappe avec une échelle. Donc c'est cool si c'est avec une échelle. J'achète une clé. Autant l'acheter maintenant. On prend les pièces et on s'en va. Ok, c'est parti. Alors, voyons voir, quel signe du zodiaque avons-nous? J'ai l'impression d'avoir un stat-up, donc ça pourrait être le Capricorne. Ah bah, des clés. Des clés, tant pis.
Un petit coffre. Je crois qu'il drop des coffres. De temps en temps. Vierge. Ouais, bof. Du reroll, c'est bon à savoir. Alors, dans l'ordre, une bombe. Elle s'est remboursée, très bien. Bon. On peut tomber comme ça sur la tête du marchand, et ça aurait été excellent. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Le super aimant, non. Non, déjà d'une part parce que c'est un trinket. La Vierge, je sais plus exactement quel est son effet à la Vierge. Je préfère m'informer. Je préfère m'informer. Platinum God Virgo. Virgo. C'est bien la Vierge, j'avais raison. Alors. Chance de. D'avoir un bouclier d'invincibilité pendant quelques secondes si on se prend un dégât. Affecté par la stat de chance. Si on a plus 10 en chance, ça s'activera à chaque fois. Ouais, bof. Ah, toutes les mauvaises pilules deviennent de bonnes pilules. Ah. Ah. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Parce que là, il y a des pilules. Déjà, ouais, déjà, faites la probabilité d'avoir un bouclier, c'est déjà pas mal. C'est déjà franchement pas mal. Alors si en plus on peut... Dégage. LOL. Vous êtes encore en vie, vous? Chier. Dégage. Dégage. Ouh, ça c'est risqué, ça c'est risqué. Maintenant, il drop pas des coffres, j'ai l'impression, le petit coffre. Il a droppé un trinket. J'ai l'impression que j'ai. Peut-être me trompe-je. Putain, les araignées vont gonfler, là, les rampants. Chier. Vous voulez bien mourir? Bon, toi, tu vas crever, c'est une certitude. Non, il se téléporte, donc c'est pas une certitude du tout. Oh. Chier. Rampant de merde, c'est bien. C'est bien. Bon, remarque les araignées laser, il y a un truc qui est pas trop pute sur elles, c'est qu'elles peuvent tirer uniquement si elles sont suffisamment proches de l'écran. Donc que tu peux savoir qu'elles se trouvent à un endroit... pas de l'autre bout de la salle, quoi, je veux dire. Ça c'est cool de leur part. Donc des pilules, ça m'intéresse. Qu'avons-nous là-dedans? 48 hour energy. Oh non, pas d'agrandissement s'il vous plaît. Rétrovision, je m'en fous. Et la petite fuite. Bon. C'est bien puri, alors. C'est bien puri. Combien on a de pièces, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. À choisir parmi ceux-là... je dirais le caillot de sang. Orgueil. Okay. Boom. En parlant de boom, c'est bien. En parlant de boom, Guiche. Bonjour, Guiche. Guiche, t'es collé. Il est pas collé? Non. Dès qu'il saute, il est plus collé. Chier. Guiche, Guy, 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 Guy. Tu veux bien te prendre des dégâts, Guiche? Un peu chiant là, Guiche.
Que tu te prennes pas mon explosivo comme je l'attendais. Ça passe encore, hein. Ça, je peux l'admettre. Mais que tu te prennes pas de dégâts. Peu, en tout cas, très peu. Je l'apprécie vachement moins déjà. Ah, c'est con, hein. Il saute juste avant que. Oula, 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 il a failli me toucher. Ouh, yo, 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 il m'a touché. Je suis invincible pendant une poignée de secondes. Ah 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 ah. Cube, 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 cube. Ah non, là il y a eu suffisamment pour le. Oh non, 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 pas la pile triple A. Moi je veux garder les pièces. Ça commence à coller un peu partout là. Je veux bien mourir. Fuck. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vive le trinket. Vive la pièce avalée. Vive la pièce avalée. Allez, allez, allez mon salaud. Tu me ralentis, je sais, mais je vais t'avoir. Je vais t'avoir mon salaud, ça y est. Il reste un mini-guiche. Un mini-guiche. Yes. On nettoie la salle, histoire de mieux y voir. Ok, 4 pièces. Le caillot de sang, est-ce que je le prends alors? C'est vachement tentant, hein. Vachement tentant. Je vais le prendre. Normalement, ça affecte un tir sur deux quand vous avez des tirs normaux, sauf que là, avec les tirs triples, ça fait... Ah si, ça continue de faire une fois sur deux. C'est pas mal, remarque, hein. Triple normal et triple avec des dégâts supplémentaires. T'es tout seul? Il y en a un simple avec. D'accord. Enfin, un simple. Un pas super, quoi. Voilà, on va compter sur des explosions, sur du explosivo, histoire de faire des dégâts de masse. Mais autrement, c'est vrai que ça sent pas bon. Globalement. Remarque, le triple shot, ça a l'air d'être suffisant pour le repousser. C'est cool, ça. C'est vachement cool. Allez, j'aimerais bien un contrat, enfin pas un contrat, donc une salle d'ange, moi j'aimerais bien. C'est pas vraiment un contrat, une salle d'ange. Soyons honnêtes. Contrat gratis. Un truc gratis, je veux. Il peut y avoir du très bon dans les salles d'ange et... Allez, courage. Putain, encore Satan, quoi. Chier. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant, l'un comme l'autre, mais... Beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Et j'ai plein de batteries qui ne me servent à rien du tout. Joie. Bon, ben on récupère la dernière pièce. Puis on va à l'étage suivant, hein. Pas grand chose d'autre à faire. Aïe, 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 aïe. Le vagin. Oh, ça peut être tellement dangereux. Tellement dangereux. Tellement dangereux. Là, vu le boost de vitesse, je pencherai... Peut-être... je sais plus. Capricorne. Donc l'étage précédent, ça doit être le Sagittaire. Je les confonds toujours, tous les deux. La merde. Épique fœtus. Je suis tenté, mais c'est vrai que c'est des dégâts gigantesques, épique fœtus. Fœtus épique, oui, j'ai traduit. Avec le triple shot, je peux même assurer le reroll. Je peux même vous tuer, vous. Thank you.
C'est bien de la merde ça. Mais c'est bien de la merde en fait. Ok. Débloquer les photos. Bon. C'est bien de la merde. Le sac à main est peut-être le moins pire. C'est là que j'aimerais voler. Oh putain! Hausse de portée, cool, je suppose. Et merde! Oh, pas bon. Oula. Je pensais pas que le petit coffre pouvait donner autant de trinkets. Sincèrement, hein, je viens d'apprendre un truc. Oh fuck. Oh fuck. Bouclier. Faut que j'en profite. Ok. Ok. Donc le 2 de cœur, le 2 de trèfle, multiplicateur de bombes, si tu veux. Sac à main de maman. Porter un deuxième trinket. Ok. Bon, bah, la langue de Judas, vu qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Oups, gaffe aux mauvaises manips. Vraiment, faut faire gaffe à ça. Allez, la mort. Oui, 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 oui. D'où tu spawns des troll bombes? D'où tu spawns des troll bombes? Ouh, t'étais pas loin du tout, t'étais trop près toi. T'étais... Voilà, t'étais mort. Merde. Merde. Saloperie de pustule. Il reste une. Toi. Où t'es? Où t'es, saleté? Voilà. J'ai survécu. Le cœur. Fuck, fuck, fuck. Fuck. À moi. Oh. Bon, je prends rien de tout ça. BFF, pourquoi pas? Quel intérêt à augmenter l'efficacité des copains? Si, le cube de viande, ça augmenterait sa taille. Bien. Bien, augmenter la taille du cube. Augmenter la taille de notre cube. Bien, bien, gros cube. Bon, on a tout fait ici. Je vous avoue quand même qu'un bon petit pyromane me ferait vachement plaisir. Sheol. Bonjour Sheol. On peut être dès maintenant les crânes et les feux éternels.
Voilà. Trésor. Droit du sort. Faut compte là-dessus. Plus de cadence de tir. Donc je suppose qu'il tombe un peu plus tôt. Mourez. Fric ! Toi, tu ne sers plus à rien, tu arrives beaucoup trop tard. Le collier de perles aussi, il faut pas se leurrer, ça sert à que dalle ça maintenant. Pas besoin de clés supplémentaires. En fait, aucun de ces deux items n'est intéressant. Mais je vais bien devoir en prendre un. Dommage, il y avait plein de caca. Oh, ça a quand même marché, super. Par contre, je vais bien devoir prendre l'un des deux si je veux pouvoir prétendre à un nouvel item. Bon. Sheol, c'est parti. Vous êtes sérieux? Des tirs de... De petites cornes? Fuck. Ah, je savais pas que ça pouvait spawner en tant qu'ennemi, ça. C'est cool! Oh! Ça explique beaucoup de choses. Eh! Hey. Ah! Bonjour les choses! Pareil qu'il y a des choses là-haut. Ah! Voilà. Et voilà. Ok. Ben disons les perles. Parce que. D'accord. Si tu veux, si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va attendre, on va d'abord tuer le premier boss. Je tire un peu au pif, hein. Ah, je crois que j'ai touché un peu. Il est là! Je te vois! Tu t'es pris une frappe aérienne dans la gueule, tu te sens bien aux conquêtes. Faire gaffe à la mort blanche. À ces tirs sacrés. Faire gaffe à ces tirs sacrés. Où es-tu? Où es-tu, conquête? Tu es là, c'est bien. Pas bouger. C'est bien, conquête. Pas bouger. Cheese. Alors. Pilule de caféine. Agrandissement. Fous-toi de moi. Saloperie. Qu'est-ce que c'est déjà? La force. Ouh, excellent! Ouh, c'est bon ça! Le missing poster? Vous foutez de moi? Une salle d'ange. Dommage. Dommage. Là où j'aurais accepté volontiers une salle du diable, on me fout une salle d'ange. Je te hais. Alors c'est très bien la force vu que ça peut me remplir un cœur. Enfin un cœur, une pièce. Enfin une pièce, un cœur. Enfin vous comprenez. Donc ça c'est excellent. Tout ça pue. Hein, ça pue. Bien sûr ça pue. Ok. Bah, étage suivant alors. Et j'ai gaspillé 3 mouches là-dessus. Chier. Allez. Le magasin. C'est là où tout va se décider. C'est là où ça, on va voir assez vite si j'ai de bons items pour le boss ou pas. Et ça pue sérieusement. Ça pue sérieusement quand je vois ça. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas pensé à faire sur les étages précédents, c'est rechercher la salle secrète.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, erreur de ma part. Camaraderie. Qu'est-ce que t'es, toi? Passage. Je peux directement aller à l'étage suivant. C'est tentant. Non, je peux encore avoir une salle d'ange. Les salles d'ange, c'est bien. Je vais avoir la pièce. Merci. Alors, il n'y a pas de quoi reroll. C'est chiant. On dit quoi? Immunité aux malédictions. Cadence de tir. Cadence de tir. Ok. Et bingo. J'arrive vraiment à bien les louper là, les ennemis, hein. Ah, je suis fort. Merde. Pièce. Oh. Vous, je vous aime de moins en moins, là, les verres bleus, comme ça. Au départ, il me laissait globalement indifférent, parce que j'arrivais bien à les gérer, mais là, ces derniers temps, non. C'est moins bien. Hausse de chance. Ouais, d'accord. Oula. Oula. Oula, la colère. Bien. Mais où es-tu, ennemi? Ah, tu es là. Oh non, un bloc à pointe. Chier. Pièce. Ça va être chiant comme vague. Ça va être très chiant. C'est-à-dire qu'il faut prévoir. Faut prévoir leur ouverture, quoi. Et ça, c'est pute. Comme ça, voilà. C'est bon. Ouh. Fiu. Fiu. Monstro 2. Fuck. C'est bon. Pin. Ah, un pin et un frêle. D'accord. Deux pins et un frêle. Ah. C'est bon. Mouche. À plein bouche. Bon. Ah oui, Stain. J'avais oublié que c'était cette vague-là. Sors. Merde, il va quand même toucher, lui. Bon, je peux me débarrasser des petits. Caillou, je t'emmerde. Viens. Voyou. Ah, toi. Ouh. Collier du chat. Ok, au revoir. Le pied de maman. L'ongle de pied de maman, non, parce que ça peut très bien me tuer comme truc, donc j'ai pas envie. Puis là, j'ai rien d'autre, hein. Je peux rien prendre d'intéressant, y a rien. Bon, pour être sincère, j'y crois pas. Pour être sincère avec vous, j'y crois pas. Si j'y arrive, tant mieux, mais j'y crois pas. J'ai failli me le mettre dans la gueule. C'est un bon début, ça. Ouais. Bon. D'accord. Voilà.
Pour être sincère, j'y crois pas. Allez, courage. Oh, on m'a dit que mon emplacement hors de l'écran maintenant. J'aime ce genre de correctif. J'aurais pas dû les prendre. Bon, remarque, Ultra Varys aurait pu les prendre lui-même, donc... Et ça allait le soigner. Ce qu'il faut à tout prix éviter, comme chose à tout prix à éviter, ce serait ses clés. Ces pièces clés, là, quand il ouvre les portes. Ça, ça va. Ça, c'est pas grave. Pas très grave. Je serais limite tenté d'activer la force, mais non, faut pas l'activer pour l'instant. Elle peut me recharger un cœur. Donc, on va éviter. Je suis suffisamment loin. Des pièces neutres, c'est chiant, mais pas très très dangereux si on en reste loin. Pour l'instant, ça se passe bien. Non, ça, c'est pas cool. Non ! Celle du bas. Celle du bas. Bon, j'ai réussi à faire du bon dégât de zone, ça c'est la bonne nouvelle. Merde ! Pièce ! Oui, c'est bon ça ! C'est bon ça ! Déjà, quand il me touche, je drop des pièces, c'est normal, c'est l'effet des tirs de... Enfin, des contacts d'avarice, les dégâts qu'on se prend. Là où ça devient bien, c'est qu'en plus, je perds une pièce supplémentaire, grâce à mon penny, mon trinket. Je peux bien m'en tirer, quoi, je peux bien m'en tirer. En fait, à chaque fois qu'il va me toucher, je vais dropper des pièces. Donc si je tape, si je me démerde suffisamment vite, je peux les ramasser à temps. Et me soigner. Je me sens un peu mieux, là, maintenant que j'ai compris ça. Pour autant, je ne vais pas utiliser ma carte de la force. Elle pourrait augmenter mes dégâts, mais je préfère... être peinard, me garder une petite assurance vie... Non, pas cool. Et là, il va y en avoir deux. Chier. Chier. Je suis pas du bon côté. Des merdes. Oh, merde. Ça s'est quand même bien passé. Je réessayerai le mode avarice avec le Keeper, mais sans appréhension, parce qu'il y a vraiment moyen de bien se démerder. Malgré sa santé qui est catastrophique, en fait, ce mode-là est vraiment pour lui, quoi. Il peut garder sa santé correcte tout du long. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Eh ben ok. Eh ben ok, ben, ça suffira pour aujourd'hui. Et puis, ben maintenant, abonnez-vous, mettez un j'aime, je n'aime pas, commenter, partagez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour plus de douleur, avec le plus sec des marchands. Et d'autres personnages également, parce qu'il y a encore des choses à faire avec les autres. Allez, salut!